Et bonjour, bonjour à tous, ici Morgan Tombrella. Et on se retrouve sur Moonbeat de la mort. On va explorer le... bonjour. Le sous-sol du bar qui vend des basses. Bar le poisson, toujours. Qui êtes-vous? C'est un studio privé. Pour retrouver Babi, le poisson en plastique qui chante de Yann. Ne vous inquiétez pas, on récupère Babi et on s'en va. Même si on aura peut-être besoin de livrer un peu de justice dure pour les voleurs. Vous êtes le propriétaire de Babi Bats? Son propriétaire légitime, oui. Alors vous êtes un ennemi du grand... de l'ensemble du gros puff. Puff, big puff. Le puff, c'est le souffle. C'est comme le... Et le grand méchant loup, il souffle. La maison s'envole, c'est puff, puff. Ouais, l'ensemble du grand souffle, tu peux pas me faire chier. Quoi? J'avoue un accord avec un autre groupe et on va pas vous laisser l'ruiner. Quoi? Mais on n'est pas ici pour ruiner quoi que ce soit. On peut travailler ensemble, soyons amis. Non. Un autre groupe? Oh, c'est pas bon ça. Y'a aucun doute. Ils ont sûrement enlevé Babi pour son talent musical phénoménal. Qui sait quels plans diaboliques sont en marche? Oui, il fait raison, c'est sérieux. Vous devez nous laisser passer. Si. Il faudra me marcher sur le corps. Tout ça pour un poisson en plastique? Baston! Alors. Avec. Ah oui, avec le joystick droit, il y a une roue. En haut à gauche, c'est Faye, en haut à droite, c'est Lian, en bas à droite, c'est Brief. Ouais, je sais pas si c'est le système. Oh, du coup, Brief. Oui, on n'a pas regardé ce qu'il y avait. Alors, 13 dégâts. Félix, d'accord. Là, il nous met des mesures d'apaisement. Ah. 40 PV par mesure. Ah. On soigne beaucoup. On fait des dégâts mélodiques légers à tous les ennemis. Et on met. Et on met un effet de décrépitude à la barre ennemie. Ce qui réduit tous les soins reçus de 30% et augmente les dégâts mélodiques reçus de 15%. Oh. Elle fait des dégâts mélodiques. En même temps, elle est seule. On peut peut-être pas se faire chier. Bon, je vais cramer la gueule. Oula. Il fait peur. Ah, c'est... C'est renforcé. Attends, un peu par repos. De douleur. Fortifié, réduit tous les dégâts réduits de 20%. Hein. Bah, je vais juste continuer à lui cramer la gueule. C'est ce que je vous dis. Je vais taper dessus, quoi. Enfin, je... Oh, il s'est dégonflé. Wow. Ça, j'aime ça. Ok, conf. Il meurt. Ah. On va pouvoir lui passer sur le corps. Ah, j'arrive pas à croire. J'ai tué un poisson. Je suis devenu tout ce que je déteste. Et j'ai dit qu'à commencer. Mais c'était un poisson. T'inquiète pas, Yann, fais raison. Ce poisson, c'était un poisson de mauvais augure. Tout ça, ça fait partie de l'épreuve. On fait la même chose.
Par contre, un accord avec un autre groupe qui inclut Babi, ça aide, non? Ouais, c'est... Chi. Ouais, ça... C'est plus le poisson. Un jeu de mots qui est très drôle, promis. Ah bah putain, tu m'as abattu. Mes larmes de désespoir ont été changées en larmes de rire. Excellent travail, Brie. T'es un super booster de morale. Oh, merci, c'était pas vraiment l'intention, mais je suis content que ça se sente mieux. Nous allons sans doute pouvoir continuer avec un printemps de... d'énergie grâce à ta généreuse contribution d'effets comiques. Ouais, pas de problème. Non, dans tous les cas, j'ai l'impression qu'on va être confronté à beaucoup d'autres poissons. Non, ça veut dire qu'une... Ce n'est rien comparé au chaos qui va sûrement écraser l'humanité si Babi demeure dans de mauvaises mains. Nous devons rester forts. Pour Babi. Pour Babi. Poivre. Allons-y. Sauvons Babi. Toi. Fondeur de visage. Oh. J'ai dit fondeur de visage. Ah. Ça, c'est un truc que je dirais au dev peut-être. Le fait que si j'utilise la roue pendant que un personnage fait une action, ça change pas. C'est dommage. Explosion de conque. Wow. Et il nous met... Ah non, 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 non. C'est le truc qui fait fondre la... C'est le truc qui fait fondre la hype. La meuf. Teuf, teuf. Et il est mort. Ah. Ouh, qu'est-ce que c'est que cette tronche? Bon, victoire. Ici, c'est pas bien dur. Ah. Cette porte est complètement bloquée. On dirait qu'il y a quelque chose qui la bloque de l'autre côté. D'accord. Oh. Jure. Ah oui, d'accord, amuse. J'aime. Et ben, on va lui fondre le visage. Aïe. Vous savez, moi, j'aime la cornemuse. Méga pop slap. Bah tiens, dans ta gueule. Il meurt. Méga pop slap. La même. Oh, il résiste. Impressionnant. Il résiste. Il ne résiste plus. Ça, je me souviens que dans la démo, la deuxième démo, il y a une de ces salles qui était buggée. Si on entrait, on pouvait pas sortir. Fondeur de visage, allez. Vendu. C'est ça, fais du tinton. Euh...
Bref, je veux bien quelques mesures de, d'apaisement. Ah, c'est dit, j'ai l'impression que... Attendez. On va faire une 20-20, voilà, pour voir. Si je reste appuyé... Ouais, ça, je peux rester appuyé sur le machin pour immédiatement passer sur le perso. Aïe, 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 aïe. Pour immédiatement passer sur le perso. Ah, ça donne que le personnage en cours. Quelque part, c'est logique, mais... Pour que je passe immédiatement sur le perso une fois que celui en cours a fini son action. Méga Pop Slap, écoute, on va se soigner un bon coup, parce que je pense qu'il va mourir. Voilà, je me soigne de 20. C'est correct. Il a quoi comme patch, boy? On va regarder un peu l'équipement. Le destin du héros. Augmente la résistance et la régénération de hype de 10%. Ouais. Fat Punch 5. Ça augmente le bruit de 30% au coup de la mélodie, ouais. Elf. Ouais. Non. On va laisser comme ça pour l'instant. Mode pod. Bonjour, je vais améliorer mes trucs. 32-42. Bon ça. Tellement de trucs. Attends, le truc de légende là, c'est quoi hein? C'est un ami aimé. Soit un allié pour 20 à 30, 4 à 30, et met une mesure d'apaisement. Mmh. Ouais, bah ça correspond. C'est le. Après. Beaucoup de vie. Parce que beaucoup. J'ai pas combien c'est beaucoup de vie. On va essayer. Hey, ça va. C'est cool de voir que tu fais toujours du shit. Brief, je me demandais si t'allais bien. Je m'inquiétais après que Fate a sonné. Elle m'a sonné où? Ouais, à ce sujet, à l'époque, je me rendais pas compte que attaquer avec de la musique, c'est une vraie attaque et que. Je voulais juste essayer de te réveiller avec un bon gros solo. Ouais, y'a pas de problème, ça arrive. Ah. Oui. Je sauvegarde. Je trompe ma maîtresse, l'autosave. Non, attends, je trompe ma maîtresse. Pas de sens. Juste pour plaisir. Fondeur de visage. Et le méga pop slap. Merci, bonsoir. Oh, incroyable. Harmonie. Ah. Attendez, je peux avoir des infos. Harmonie douloureuse. Applique une mesure de douleur à chaque action ennemie.
Oh. C'est un problème. Vite, fais un câlin à ta... ta bataille. Défenseur, la gueule. Ouh. Harmonie douloureuse. Enfoiré. Je vous nique. Hop là. Ça, c'est un cop. Oh. Un patch. Double l'effet des mesures de hâte. Wow. C'est vrai. Mauvaise compétence. C'est vrai que Faye peut faire ça. Attends, c'est la suite par là. Il y a un autre chemin. Bonjour. Vous avez vu mon frère? Il me ressemble vastement. Et on a le même blême sur les yeux. Et si on a vu ton frère? Oui! Vous l'avez vu? Non, je crois pas. Désolé. C'est pas de problème. Mais s'il vous plaît, si vous le voyez, vous pouvez me l'amener? Ouais. Super, merci beaucoup. Wow, Faye, t'as compris tout ce qu'il a dit, je suis impressionné. Ouais, c'est l'un de mes nombreux talents. Je parle au sèche. Moonin, 5 lettres, 5 lettres, 5 lettres. D'accord. Et moi, ce que je voulais, c'est 7 gigs. Oui, il faudra retourner voir Poggy. Oui. Ah, ça. Mais je vais aller le voir. Le mec du tatouage, je suis allé le voir, je lui ai parlé. Pourquoi j'ai pas donné l'encre? C'est une merde. Les codes, il y a un qui fait quelque chose de d'argenté, brillant et de perçant. Et le Cuttlebrow. Ça, c'est toutes les quêtes secondaires du jeu. Pas énorme. Bon, je sais que le jeu lui-même n'est pas énorme. Les devs disaient qu'il y avait quelque chose pour genre 20 heures à finir. Ce qui est correct, hein. Pour ce que ça coûte et vu la qualité, c'est correct. Pour moi, 20 heures, c'est la durée de vie par défaut d'un jeu. C'est correct. Bonjour. Attends un peu, les autres salles où je suis allé, il y avait des coffres que j'avais pas vus ou je suis... Ou je suis débile. Bref. Soigne Yann. Soigne de que dalle, c'est de la merde. Thunder Loving Snare, hop là. Je teste un peu toutes les capacités de. De brief. Si on soigne tout à fait Yann, ça soigne de combien ça? Oh là 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 là, quand même. Je vais continuer de vous fondre le visage, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Aïe. Mmh.
Oula! Qu'est-ce qui se passait? J'ai fait un coup critique? C'était quoi tous ces effets? J'ai pas su. Alors, un mode. Dégâts de mélodie modérée à un seul adversaire et deux mesures de douleur. Regarde. Hein. De la mélodie. Mais Yann, il a que dalle en mélodie. C'est pour un distorteur. Ah, et ça, c'est une compétence de headbanger. Hein. Toughness and noise. En vrai, c'est mieux, hein, parce qu'en par contre, ça régène pas tellement. Et puis surtout, on a brief maintenant. Donc, on va reprendre ce patch là. Mélodie vitesse. Est-ce que j'ai de la mélodie et la vitesse? Sachant qu'elle, en vrai, je m'en sers surtout pour poser des... Pour poser des mesures de douleur. Je m'en sers pas de ces dégâts de mélodie. Franchement, la régène de hype, ça m'a l'air plus intéressant. Et en vrai, parce que lui il a plus 10% de bruit et de résistance, mais là, attends, c'est quoi, Fat Punch 5, là c'est plus 30% de bruit, regardez ça, on passera de 66 de bruit à 78. Par contre, ce serait à peine moins fort. Allez, on va faire un gros DPS qui tâche. Là, il y a lui qui est revenu, on a déjà ouvert. Non, je m'en fous de vous, vous êtes moche. Juste aller voir les salles. Il y avait des coffres, oui. Un stock, ouais. Et ici, il n'y a rien. Ok. Il y a un truc par en bas. Je suis tellement dispersé, au secours. je suis allé là, ça me dit rien. Rondeur de visage. Même pas mal. Fondeur de visage. Et non, vous allez pas prendre de la résistance. Vous allez prendre cher, j'ai dit. C'est pratique le truc de R là. Hop là. Permet de. Qu'est-ce que je voulais faire après ça? Ah oui. Mega Pop Slap! Allez, dis-moi, montre-moi ce que ça fait maintenant que tu as. Quand t'as mis une nouvelle patch là. C'est 17, oh là 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 là. Et on va restaurer des PV à toutes les. Blop, 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 blop. Oh oui! De 4 à 34 dégâts. Wow. Sacrée fourchette. C'est 13 dégâts fixes. 5 à 8, c'est de la merde.
Cette mesure de vitesse, c'est pas mal. Jure. Je suis ici pour voler votre coffre. Dans le visage, écoutez, on va pas trouver dans cette démarche. Il y a pas de slap, hein. J'ai vraiment l'impression d'être over-level. C'est clingue. Il n'y a aucune once de difficulté. On a un mode pour Barif. Dégâts modérés de Bowie. Et ça amplifie la barre ennemie. Non, pardon, ça amplifie notre barre. Amplifie. Plus 10% de hype régène et plus 30% de dégâts. Oh! En même temps qu'il puisse niquer les bonus des barres ennemies, c'est bien aussi. Est-ce qu'on préfère qu'il nique les barres ennemies ou qu'il restaure les nôtres? Ouais, mais... Ah, si c'est des dégâts de bruit, il n'y a pas de bruit, il n'y a que la mélodie, ce con. En même temps, c'est un support. Et on va garder le cœur brisé. Hats. Ah. Zemo, c'est Hats. Attendez, c'est un code. Attendez. Est-ce que je peux trouver un papier? Non, pas celui-là. Ah, vite! Un papier! Tiens, je vais niquer ici. Le mec a trouvé le truc. Ok, alors je sais plus ce que c'était le premier mot. Donc là, le deuxième, c'est Hats. Ok. Et 5 et 5. Mega Pop Slap. Ouh, tu te dégonfles. Est-ce que c'est de l'harmonie? On comprend toujours pas bien ce que ça fait ce truc là, mais... Ah d'accord, en fait c'est quand ils font une action, chaque effet qu'ils ont sur leur barre, ça en met une sur les miennes. On va virer leur barre pourrie avec les nôtres. La vitesse! Salaud! La vache prend cher. Aïe. Dégagez-le.
Merci. Bizarrement compliqué ce combat-là. Je disais que c'est trop facile, mais... Je maintiens que ça l'est, mais... Attendez, attendez, je vais remonter. C'est chiant, hein. Je vais aller voir ce que c'était le premier mot. Moonin, quoi que ça veuille dire. Moonin Hats. Quelque chose, quelque chose. Très bien. Ouh. Un stock. Ouais. Ça sort pas. Non, va-t'en, vous êtes moche. Ouh. Jure. Problème ça, on va lui casser la gueule et vite. Alors casser la gueule et vite. Oh ah, ça fait toujours super mal ça. Oh là 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 là. Ça fait toujours super mal. Rien ici. Ah. Bonjour, ça se prête pour vous casser la gueule. Si vous n'avez pas, si vous n'y voyez pas l'inconvénient. Aïe. Putain, il y a l'inconvénient. C'est enfoiré. Hein. Ah mais si, je sais pourquoi l'effet de différence, parce que je l'ai amélioré. Je suis con. Ça rapporte que dalle d'XP. Je suis vraiment over level. Ah. J'annonce, je suis paumé. Y'a pas une baleine ici? Vermeud, Rochner, un allié, elle en rend beaucoup de vie. Ah. Ça, le plus sûr, ça, c'est un des trucs qui était buff. Parce qu'avant, ça ramenait l'allié avec un petit peu de vie. Alors, ça ramène avec beaucoup de vie. Oh là, il y a un papier bleu. Je veux le code. Donnez-moi le code. Merde. Entrez dedans. Quick Frenzy. Ça tue ça? Non. Ça ne tue pas. Voilà. Papier bleu donc.
pareil. Je note. Green has palace. Aucun sens. Donc moi, je la récupère dans l'ordre. Quelque part, c'est que je m'y prends bien. Il y a des trucs là derrière. Rien de caché. Il y a rien de caché, a priori. Ah! Waouh, une baleine! Vous avez cette place là-dedans? Vous avez l'air écrasé contre la vitre. Oh non, non, t'inquiète pas, je suis pas enfermé, hein. Cette eau, elle va jusqu'à l'océan. Il s'agit d'avoir une bonne vue sur le carnage. J'admirais vos progrès contre l'ensemble Bitpuff. Ils l'ont bien mérité, ces salauds. J'imagine qu'il n'y aurait pas moyen que je me joigne à l'action. Ouais, si tu veux, mais... Ouais, ça va être génial. Qu'est-ce que tu as contre l'ensemble du Grand Souffle? Ah, tu veux du contexte, hein? Très bien. J'adore chanter. Enfin, j'adorais. Et ça a attiré l'attention de l'ensemble du Grand Souffle. Ils m'ont enregistré sans me le dire, et l'ont publié comme album de relaxation. Et ça a été un best-seller! Ça a fait des millions de ventes! La musique des océans est enfin entrée sur le marché des musiques terrestres. Et ça a ouvert la voie à un grand décalage culturel. De plus en plus de musiciens de sous les océans ont commencé à se faire un nom sur la surface. Autant dire que je leur ai permis de se faire une fortune. Et ils surfent là-dessus depuis. Mais personne ne le connaît. J'ai jamais vu ma part des profits. Depuis, je ne chante plus, de peur qu'on prenne avantage de moi à nouveau. Attends un peu, là. L'album dont tu parles, là, c'est les chants de la baleine? Ouais. J'adore cet album! Ton attention est incroyable! Si seulement j'avais su toutes les injustices derrière. Tu sais ce qui est dingue? La première personne a complimenté ma chanson en face à face. Alors merci, ça veut dire beaucoup. Et dire qu'un album de chant de baleine a découragé une baleine de chanter, c'est triste! Pour être sincère, j'ai jamais eu besoin d'argent, hein. Je suis pas du genre à faire des emplettes. Mais au moins, un peu de reconnaissance, ce sera bien. Ok, bon, on fait quoi? Eh ben, toi, que t'es le bassiste, je dirais que c'est un boulot pour toi. Il va falloir que tu accordes ta basse vraiment à la baisse. Et que tu m'invoques avec la technique 0S pour tuer les membres de l'ensemble Big Puff. 10 entrées pourra suffire. Me fiche de savoir lesquels. Juste 10. Mais je compte seulement si c'est 0S qui les achève. Faudra pas que tu voles mes kills. Ouais, pas de problème. En tant qu'à la fois un amateur de justice aquatique et un fan de ta musique, c'est avec un grand honneur que je vais t'assister pour corriger ce péché. Ah oui. Gear. On va virer Twang Fancy et mettre 0 Earth à la place. Allons l'essayer. Il y a un connard qui traîne quelque part. Toi! Je suis à peu près convaincu que ça va les one-shot. Oh oui! Ça commence! Ah, il a survécu l'enfoiré! J'ai dit, meurs!
C'était nice. Il a pris cher par contre, hein. Oui, voilà. Un comme ça. Un comme ça. Un comme ça. Voilà. Ça part. Oui. J'ai bien compris la quête. Donc maintenant, j'ai une raison d'aller les tabasser. Ah, ils sont trois. Ouais, prenez-vous un peu toute cette douleur. C'est ça, faites les malins. Zéro Hertz. Ouh. Un autre banger. Ouais. Il est belette. Par contre, on a encore plus cher. Un peu de soin pour tout le monde, ce serait sympa. Et meurtre. Alors, elle sort 16, 21 PV à tous les alliés. Ouais, mais c'est pas grand chose. Un peu de la merde. Ah! Howdy! Il ne veut rien dire. Mais c'est noté. C'est noté. Bonjour. Qu'est-ce que tu regardes, tête de gland? Je vais te battre! Pareil que ce poisson fera pas autant de malin s'il n'y a pas une vitre entre nous. Ouais, écoute. Fais-moi une faveur. Basiquement, hein. Ferme ta gueule. Quête acceptée. Ferme ta gueule. Alors. Petite quête de fermer ta gueule, ça va? Va nager dans de la pisse. Rien à dire, hein. Va t'échouer sur le sac, tête de cul. Et ben alors, t'as rien à dire. On a bouffé des plus gros poissons que toi au pub. Et ben alors, ta petite attitude de tout à l'heure, hein, tu l'as perdu. Eh ben, qui prend le trou du cul. Va chier. Là, hein. Va nager dans de la pisse. Bon, allez, on va expédier. Alors, tu vas juste. Alors, je vais juste rester là et tout bouffer, hein. Eh ben, vous avez vraiment fermé votre gueule. Pour connaître ça. Ok, prenez ça. On retire toutes les mesures de la barre ennemie. Ah. Et c'est un objet. Donc j'ai pas besoin de l'équiper. Ok, c'est cool. Ça coûte combien de stock ça? Quelle secondaire terminée? Fermez sa gueule. Ça coûte que 4. Eh, bien joué d'avoir tabassé tous ces nazes, hein. Donc bien. Ça faisait longtemps qu'il méritait de se faire casser la gueule. Ok, maintenant il est sympa. Bon.
Bon, ça n'a pas besoin de parler, hein. Il nous récompense pour des meurtres. Il nous félicite pour des meurtres. Attends, il vient de nous renvoyer les dégâts là. T'es enfoiré. Bon bah, 0 Hertz hein. Ouais, non, j'ai besoin de soin là par contre. Allez, soigne-toi toi-même. Quand il soigne, il fait pas semblant, hein. Allez, 0 Hertz. Bah! Mais non, Yann, tu vas bien. Regarde, je te mets un peu de... Arty Barry. Un peu de Gentle Barry pour paye, puis voilà, tout le monde est en forme. Qu'est-ce que c'est que cet attroupement? Ça fait combien de temps que vous êtes là? Vous avez aucun droit d'apparaître dans notre prestigieuse série documentaire. Comment osez-vous souiller notre enregistrement vidéo avec vos sales gueules et vos sales fringues? Hey! Au moins, je sais pas une espèce de tête du gland qui passe sur toi à te pomper! Quel outrage! Quel langage barbarique! C'est indigne d'une dame! Eh ben, y a pas moyen. On va falloir la refaire. Mais il va me falloir une garantie que ça n'arrive pas à nouveau. Donc je pense que une présentation formelle à la mort est de mise. Papa va vous présenter. Ah ouais. Que diriez-vous de toute la douleur du monde? Ah merde, c'est la... Zut, ça ne leur a mis aucune douleur. On va vous mettre de la douleur à tous les ennemis. Et puis on va finir par vous achever avec... avec 0 Hertz, hein. Voilà. Je pense que ça a complété la quête, non? Cette quête-là. Là, c'est. C'est la suite, ça? Ah, c'est la suite. J'ai pas envie d'aller voir la suite. Rien ici. Et là. Coffre des conseils. Attends, je suis déjà allé ici. Je suis déjà passé par là. Je suis paumé. Au secours. Bon, on va se reposer un coup. On va remplir notre merch et puis on va s'arrêter là. Merci de m'avoir aidé. Depuis les cheveux clairs, mais le barman a fini par se rendre compte que j'étais pas un piaf et m'a poursuivi jusqu'à ce que je me barre de Bonitoin. Vas-y, ça a l'air bien pour se planquer jusqu'à ce que ça se calme. 72 balles, c'est offert, c'est gratuit!
37 dégâts, adversaire. Là, ça sera de 24 à 50. Mmh. Allez. On sauvegarde. Et on se dit au revoir à tous. Et à la prochaine.